Chers internautes, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui pour un nouvel épisode de Skyblock. Aujourd'hui on est encore sur Icaria, et là aujourd'hui il y a eu vraiment énormément de avancements. Premièrement, je vais juste vous remercier parce que maintenant le serveur il tourne vraiment bien. En ce moment il est 7h30 du matin, heure québécoise, et il y a quand même 42 personnes de connectées. Ça fait super plaisir les amis. De voir qu'il y a déjà des gens qui me rejoignent, qui me fassent des dons, etc. C'est vraiment cool. Et puis ouais, là, c'est un mode de jeu un peu plus différent parce que c'est plus relax, etc. Donc c'est plus intéressant. Oh, il veut nous faire un échange, on va accepter. Qu'est-ce qu'il veut nous donner? Money increase, left click. Oh, il veut nous donner des outils. Ok, je vais accepter parce que tu sais, on peut pas dire non à des outils, mais j'en ai quand même des meilleurs outils. On va lui envoyer un petit message. Merci. Donc, on va juste se mettre en vanish pour pas que les gens nous envoient des demandes d'échange, etc. Donc là, j'ai cassé un peu le truc, je sais plus comment ça fonctionne. J'ai un peu cassé, donc je sais vraiment pas comment ça marche ça. Faudra attendre l'abonné là, qui était avec nous dans le dernier épisode. Je sais pas c'est quoi son prénom, mais elle s'est renommée Miss Icon sur le jeu. Donc ouais, il faudra attendre qu'elle soit là pour pouvoir nous expliquer un peu comment ça marche. Là, j'ai pas checké si elle était peut-être connectée sur Skype ou quoi, j'ai juste pas checké. J'avais envie de faire un petit épisode solo aujourd'hui, vous parler un peu de ma chaîne YouTube, etc. Parce que j'ai décidé de prendre une décision un peu différente. Ça fait plusieurs temps que j'y réfléchissais et puis... J'ai décidé de prendre une décision. Wow, ok. C'était bizarre dit comme ça, je trouve. Et puis, je voulais vous en parler, etc. Mais... Avant ça, on a des challenges à faire, les amis. On avait récupéré 2 stacks de chair putréfiée, 2 stacks d'os, 2 stacks de ficelles, 2 stacks de flèches et 1 stack de gunpowder, 10 yeux d'araignée. Donc, ok, qu'est-ce qu'on a déjà? C'est des os, ça prend? Ok, on a déjà les 2 stacks d'os. Ça, c'est bon. Ensuite, c'est quoi les autres trucs qu'il nous faut? La chair putréfiée. Putrifié, ça c'est de la... ça là, right? Rotten Flesh, ok. Fait qu'il faudra... peut-être qu'il y en a ici. Ça c'est une witch, ok. Ok, il y a un peu de chair putrifié. On a presque ce qu'il nous fallait. On a presque ça, fait qu'il faudra juste... Ok. Faudra juste attendre un peu les amis, je pense qu'on devrait l'avoir. Ensuite, ok, attendez. Attendez, qu'est-ce qu'il y a? A gagné 3 clés. Ok, ouais. Oh oui, oui, si vous faites une vidéo sur le serveur, ok. Faut, ça, je sais pas si vous en ai parlé, mais. Vous faites une vidéo sur le serveur, même si vous avez 0 abonné, ok. Vous faites une bonne vidéo de bonne qualité, un bon montage, etc. Et vous pouvez gagner plein de clés, puis plein de trucs aussi. Ça, c'est vraiment stylé. Essayez de voir ça, les amis. Si vous avez une chaîne YouTube ou quoi. Ok, là, je sais pas juste comment ça marche. Ils sont peut-être pas censés mourir, normalement. Je sais pas trop, mais bon. Au moins, nous, ça nous fait de la chair putrifiée et tout. Mais bon. Je vais attendre d'avoir les trucs, donc ça va nous prendre un stack de gunpowder, ça va nous prendre encore 2 gunpowder. 2 stacks d'os, on les a. Un stack, des stacks de gun pétrifié, des zombies, ça nous en prend encore un peu. 2 stacks de flèches, ça nous en prend encore un stack et quelques. Et puis 10 yeux d'araignée, on en a déjà 2, donc ça va nous en prendre 8. Donc, je vais attendre. Je sais pas si elle qui a construit ça, l'abonnée qui est avec nous, elle joue beaucoup, j'ai l'impression. Moi, je joue pas souvent. Elle a aussi agrandi les champs, elle a fait des champs de moutons, cochons, lapins, chevaux, cheval, je sais pas trop comment dire. Donc, ok. On va monter ici. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on va aller voir qu'est-ce que ça a l'air en haut là-dedans. Et puis, puis voilà, je vous reprends quand je suis en haut. Je suis en haut. Donc, je sais pas pourquoi il y a de la redstone ici. Pour être très honnête avec vous, mes amis. On va faire des petits escaliers ici, comme ça. Puis on va checker en dedans qu'est-ce que ça a de l'air. Ok, il n'y a rien. Ok, je crois qu'il y a un souci, en fait. Oui, je crois qu'il y a un souci. L'eau, elle tombe pas. Donc les mobs, ils restent coincés ici. Ok, d'accord. Et là, si je saute là, par exemple, je vais mourir. Ok, attendez, là. On va... On va mettre l'eau comme ça, I guess. On va activer l'eau nous-mêmes. Je sais vraiment pas comment ça marche, ce genre de truc, les amis. Hein. Vous le savez, je suis pas très doué à Minecraft, moi. Hein. What the fuck. Comme ça. Et puis, on va mettre ça dans le milieu.
Là, comment on va faire pour descendre? C'est ça que je me demande. Comme là, vous voyez, il y a plein de mobs, mais on peut pas les atteindre ou quoi. What the f... Ok, j'ai réussi. Oh shit, on va mourir, les gars. On va mourir. Ok, non, on n'est pas mort. What? Ok, ouf. On n'est pas mort. On a eu de la chance, les amis. Disons ça comme ça. Ok, voilà. Boom. Ça, c'est une tour à mob, j'imagine qu'on appelle ça comme ça. Ouais, comme ça. Comme ça. Oh shit. Non, 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 je suis mort. Super. Génial, les amis. Wow. Ok. Super cool, ça. Et là, notre stuff, il est parti où? Notre stuff, il est même pas dans les Hoopers encore. The fuck? Oh my god, rip. Ok, j'ai dû casser à l'intérieur, les amis, pour pouvoir rentrer, parce que sinon, notre stuff, ça prenait 1 million d'années, puis moi, pas tellement de patience, hein. Donc là, je sais pas trop pourquoi ça marche pas. Faut croire que l'abonné, sait pas faire des tours à mob. On va essayer de voir si. Je vais aller checker, voir si elle est pas connectée sur Skype pour venir nous expliquer qu'est-ce qu'elle a fait comme merde, mais bon. On va essayer d'être gentil, pas de l'insulter. À tout de suite. Et les gars, je sais pas trop. Je pensais que la tour à mob, elle marcherait. Fallait juste attendre. Mais non, il y a pas un mob qui tombe. 0-0-0 mob. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Toi, dégage. On va justement aller au shop. On va les acheter là-bas. On n'a pas trop le choix, les amis. Donc, on va juste vite fait regarder qu'est-ce qu'on a besoin. On a besoin de 2 stacks de chair putréfiée. On en a déjà 49. Fait qu'on avait déjà trouvé un stack et plus à peu près une vingtaine. On doit sûrement pouvoir faire ça. Oui. Ici, comme ça, on va prendre 32 plus 64. Tiens, voilà. On a nos 2 stacks de chair putréfiée, 2 stacks d'os. Ça nous prend une gunpowder. Hop là. Une, voilà. Ça nous prend 2 stacks de ficelles, si je me trompe pas. 2 stacks de ficelles. On a un stack, donc on va prendre un 2e stack. Voilà. Ensuite, on a quand même pas mal d'argent. Fait que, tu sais, je veux dire, aussi bien l'utiliser. 2 stacks de ficelles, 2 stacks de flèches. Les flèches. Ok. Ouch, ça coûte quand même cher des flèches. Hein. Tac, tac. Ok, comme ça. Et puis, ça nous prenait quoi aussi? 8 œils d'araignée. Donc, on va en prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, 10, mais ça nous en prenait 8, quoi. Ok, voilà. Challenge. Ensuite, ça nous prend quoi d'autre? Hashtag de gunpowder. Je pense qu'on est good. Non. Ah, faut aller dans le câble. Ok. Ok. Ok, on est là. Boom, on a réussi. On a eu 3 blocs de redstone. De red motherfucking stone. On va les mettre dans le coffre. Parce qu'on en aura sûrement besoin. Et 2 œufs de moutonnet. Super. Donc, le truc que je voulais vous parler, les amis, c'est très simple. C'était en fait que j'allais faire un peu tout ce que je voulais sur ma chaîne YouTube. Dans le sens que. Ça se peut qu'il commence à avoir du Rust, du CSGO, etc. Dans le sens que, vu que maintenant je fais plus beaucoup mes vues, etc., je vais juste faire ce que moi j'ai envie de faire, ce qui moi il m'amuse. Et puis, ben, si vous n'avez pas envie de regarder, ben vous regardez pas. Puis si vous avez envie de regarder, vous regardez. Puis voilà quoi. Je suis fatigué. Je veux pas me priver de faire des choses que j'aime et de pas les filmer. Quand j'adore filmer, j'adore faire ça. C'est ce que j'aime le plus au monde. Je veux pas me priver parce que ma chaîne YouTube est du Minecraft. Je vais faire tout ce que je veux. Puis regarde, si ça marche pas ma chaîne YouTube, puis qu'à un moment donné, ben tout ça s'arrête, ben ça s'arrêtera puis tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quoi? Je veux dire, on peut pas. Genre, je sais que je pourrais pas faire des vidéos pendant 1 million d'années non plus. Peut-être que moi mon buzz est passé puis que je ferai plus jamais de vues comme avant. Je sais pas. Mais je me dis qu'au moins, si je fais ce que moi j'aime, ben, ça peut peut-être aider. Ça peut peut-être aider au fait que les vues reprennent, quoi. Je veux dire, Minecraft, j'adore ça. T'sais, ça va toujours rester mon jeu préféré. Mais si, mettons, je fais un peu de Rust à côté ou d'autres choses en même temps, genre, je pense pas que ça va nuire à personne. Ça va juste me faire plaisir à moi de jouer au jeu que j'aime. Et puis, voilà. Donc, c'est juste ça que j'ai pris une grosse décision. Je vais faire des vidéos de bêtes en français, etc. Mais j'aurai toujours ma chaîne aussi CSGO en anglais.
que vous allez pouvoir retrouver dans tous les bails. Non, c'était une blague, ça. Ok, super. On vient de tout niquer les circuits de redstone, je crois. Même pas, ça a pas touché aucun circuit. Waouh, on a eu trop de chat là-dessus. Ok, on va faire ça comme ça, comme ça. Boom. Et là, je crois que c'était ici qu'on était clear. Non, même pas. Ok, là, on va être clear. Boom, boom. Ouais, il y a sûrement, il y a quelque chose qui va pas ici, c'est sûr, man. C'est pas censé être comme ça, de 1. Ok, ben on va rester ça là, parce que nous, il va falloir sortir de là. Ça devrait spawner normalement, dude. What the fuck? Ok, je crois que la fille avec nous, elle sait pas vraiment faire ça, en fait. On va devoir engager un nouveau abonné, les amis, je crois, pour faire une forme à mob. Loul. Donc, on va tout casser ça. Et puis voilà. Non, là, c'est juste à peu près ça que je voulais vous parler. On va attaquer l'autre challenge qui est... récupérer 3 stacks de viande de porc. C'est très simple, on a plein de cochons. C'est quoi ça, c'est une bombe? Ah, c'est drôle, hein? Il y a des moutons partout. Ah, ok, au moins ils s'en vont. Ouf, une chance. Sinon j'aurais été plutôt énervé. Bref, on va tuer des cochons. Et puis... c'est quoi ça? What the fuck, man? Qu'est-ce qu'il fait, là? Il me lance des trucs sur mon île. C'est pas très gentil, ça, ok? Arrête! De m'intimider! On n'a pas des épées. Yeah, on va en tuer un ici. On pourrait prendre une looting, mais j'ai pas de looting, donc... faudra tuer 30 cochons. Oh, on en a plein en plus, ça c'est super. Et on peut rentrer par ici, j'imagine. Ouais. Voilà. Ça nous en prend 3 stacks, donc c'est clair qu'on les aura pas tout de suite, hein, mais... ouais, faudra peut-être avoir le looting. Hein. Attendez, j'ai une meilleure idée. On va les faire baiser. Toi, t'es pas dans le bon enclos. Ils vont faire plein de bébés, puis après ça, pour les reproduire. Allez, salut! Oh oui, les gars. À la place de... on va attendre qu'ils deviennent grands. À la place, je pense qu'on va refaire la... notre prison, notre truc. On va faire plutôt une maison ou quelque chose, genre. Je sais pas trop, je... peut-être qu'il faudrait l'éloigner, parce que je veux pas que les gens viennent. Je veux que les gens puissent voir ce qu'on fait, genre. Mais sans qu'ils puissent venir visiter, genre. Je sais pas si vous comprenez. Oups, j'ai été un peu trop loin, je crois. Donc, par exemple... vous voyez, genre on va les laisser entrer. Mais on va casser ça, comme ça ils pourront plus venir. Et puis on pourra continuer. Oh, il nous donne du stuff, les amis. Oh, oh! Merci, jeune homme, merci beaucoup. Donc en gros, genre on va éloigner la prison, dans le fond. J'appelle ça comme ça, mais. On va juste éloigner le truc. Oh, pelin, je vais pas te faire tomber, mon ami. Ah, peut-être que si je vais te faire tomber, en fait. Bye! Donc en fait, on va juste l'éloigner, puis je pense qu'on va pas faire de toit, on va juste faire une plateforme. Comme ça, ils seront coincés, genre ils pourront pas faire, pourront pas aller sur le top. En gros, les seules personnes qui pourront venir visiter mon île, ça va être les gens qui auront acheté le Sky King. Et donc, ils pourront venir sur l'île. Mais bon, t'inquiète, ça c'est juste temporaire, les amis, le temps qu'on fasse une petite maison d'accueil ou quelque chose comme ça là, à l'intérieur du truc. Parce que j'ai pas envie de... je veux pas, genre, vous laisser entrer sur l'île... Tant que les trucs sont pas safe, là, je veux faire quelque chose de propre avant de vous laisser entrer sur mon île, les amis, bien entendu. Là, on a déjà un beacon, on a déjà cliqué petit truc, donc ça c'est cool. Mais il va falloir continuer à aller plus en plus dans les niveaux, etc. Puis c'est pour ça que j'en fais beaucoup hors vidéo. Parce que ces vidéos-là, je préfère vous parler de sujets. Des sujets importants, par exemple, comme là, je vous ai parlé aujourd'hui du changement de ma chaîne YouTube, qu'est-ce qu'il allait avoir, etc. La dernière vidéo, on vous a présenté une abonnée. On va pas tout le temps, genre, tu sais, on va faire des choses différentes, pas des trucs tout le temps ennuyantes, bien sûr, sinon c'est pas le fun. Puis voilà, aussi, on va aussi inviter d'autres abonnés, donc si vous jouez sur le serveur et que vous connaissez quoi que ce soit, on va inviter d'autres abonnés sur l'île, comme ça on va avoir une île, vous et moi. Par exemple, il faudrait que vous ayez une bonne entente avec tout le monde, tu sais, genre, si vous commencez à vous disputer avec tout le monde, ben... ce sera pas rigolo, là, on va pas se le cacher, les amis. Fait que, voilà.
Sur ce, les amis, je pense que ça va être tout pour l'épisode d'aujourd'hui. En espérant que celle-ci vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, la partager avec vos amis. Et puis, on se retrouve très bientôt, les amis, pour de nouvelles vidéos. C'est Tycons. Passez une excellente fin de journée.